We are going to propose you some duets. On va vous proposer des duos. Enfin non, on va vous faire écouter des duos que vous avez fait vous. A duo, some duets you've recorded with some stars. Okay. And we'd like you to tell us the story of these duets. Okay, I didn't even know I did more than two duets or one. You did three, no? I did three, yeah. Three, yes. Wow, yes. Cool, I'm excited. Top départ. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. These are artists we used to play on the and we like. So who was it? Who is with you? That's Miss Colby Calais. Yeah. Colby Calais. How you say Colby Calais? Ah, we say Calais. Calais. Ah, mais nous, on dit toujours Calais. Alors, tu vois, 4 ans après, j'avais raison quand j'ai fait ma maquette avec toi. Tu sais que je m'étais fait disputer. Ils ont failli pas me prendre sur RTL 2 parce que je l'avais désannoncé comme ça. C'est vrai, hein? Yes. Thank you, Jason. Thank you for Calais. Okay. Alors, can you tell us the story of this duet in a few words? Well, you know, she and I were on different labels at the time, and it was very difficult for us to record, so we did it on our own. Both the song and the music video, we snuck off by ourselves and made the videos and the song and then presented it to our labels. En fait, ils n'étaient pas dans le même label, donc ils avaient super envie de chanter ensemble. Ça a été très difficile, du coup, vu qu'ils n'avaient pas la même maison de disques. Ils l'ont fait un peu en loose day, comme on dit. Ils l'ont fait par eux-mêmes. Ouais. Ils l'ont enregistré, ils ont dû un peu stratégiser pour le faire. Et vous étiez vraiment ensemble dans le studio? You were really together in the same studio? We were, yeah, yeah. We eloped. To the same studio. À une époque, ils ça ont... se faisait comme ça. Frank Sinatra était à Los Angeles et d'autres étaient à New York, ils ne se voyaient pas. Ouais, mais là, ils étaient dans le même. D'accord. Second one. Details in the fabric. Sorry for the accent. Mm-hmm. That's it. Yes, thank you. And who was it? James Morrison. Yes! Bravo! Autre artiste RTL 2 qu'on adore, c'est James Morrison, évidemment. How did you meet? In the studio. We used the same band for our albums. And so he was just in the next room waiting for me to finish up. D'accord, ils avaient le même groupe en fait, les mêmes musiciens. Ouais. Et ils étaient en train de terminer leur chanson. Et il a dit viens. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Ils étaient dans des studios voisins en train d'enregistrer. Et le dernier, c'est pas des moindres. And last but not least. Inamoja. Ah, Inamoja. Yeah. Inamoja pour la fête de la musique. It was in Paris. Yes, yeah. In Parc de Bagatelle. You remember, tu étais toi, je crois. J'y étais au Parc de Bagatelle. Sûr, avec Inamoja. Et il faut savoir que Jason Emraz a aussi chanté avec les Stones. You remember? Yeah. When you sang with the Rolling Stones? How was it? Oh, with the Stones? Yes, you were a support artist. Yeah, that was... Well, the best part was that I had my mom with me. Il y avait sa mère avec lui, ça c'était la meilleure chose en fait. So very proud. Very proud. Très fier. And, you know, they spent more time talking to her than me, which was great. Yes. Les Rolling Stones ont plus parlé à la mère de Jason Emraz qu'à lui-même et ils trouvent ça super. Find it great. Were you a great fan of the Stones? You know, I've grown to be now in my adult life, yeah. Non, puis c'est plutôt venu sur le tard. D'accord, pas quand il était enfant. Voilà.